En fait, voilà, on voulait tous vous remercier d'être venus là. Alors, le programme pour nous, c'est de continuer de ne pas lâcher l'affaire, hein, tant qu'on n'a pas de suspension effective des travaux. Je ne sais pas si ça trouvera un jour, on verra bien. Pour demain, il est censé y avoir énormément de pluie. On se dit que ça ne risque pas de retomber demain. En attendant, on fait comme tous les jours, c'est-à-dire qu'on installe une veille ici. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens, enfin, il y a beaucoup de gens ici qui sont déjà inscrits sur la boucle signal qui nous permet de communiquer en urgence. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir nous voir et on peut vous inscrire. Ça permet d'avoir les infos en temps réel et en direct. L'appel qu'on voudrait lancer, ce serait de revenir même heure mercredi. En sachant que ça pourrait être jeudi, en sachant que ça on ne peut rien y faire malheureusement. Quoi. Et donc vraiment, on tient à ce qu'il y ait toujours du monde de présent, au maximum, jusqu'à ce qu'on obtienne enfin quelque chose. Et imaginons dans la journée, ça redémarre, vous pouvez nous appeler. Ouais, et du coup, le moyen le plus pratique qu'on a, le plus rapide pour se contacter et se tenir au courant des actualités fraîches, c'est le groupe Signal. On va voir l'un d'entre nous et vous faire appeler sur Signal. Il y a encore une demande. On a fait circuler jeudi une liste pour que s'inscrivent les personnes qui souhaitaient faire un dépôt de plainte, soit parce qu'elles ont été elles-mêmes bousculées. Il faut savoir qu'il y a quand même 3 personnes mardi qui, suite à ces blessures, ont eu des journées d'ITT, d'interruption du temps de travail. 2 personnes qui ont eu 2 jours et une personne qui a eu 10 jours, ce qui est énorme, 10 jours. Et que c'est important que ces plaintes soient déposées, que les plaintes pour atteinte à la vie d'autrui, pour les personnes qui étaient présentes au moment où les machines ont repris, soient déposées aussi, ne serait-ce que pour faire peser dans la balance, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées du côté de la FMND, donc c'est important que nous, on n'hésite pas à déposer les plaintes. Et puis il y a aussi une coprésidente qui a eu ses pneus crevés, avec une voiture qui est vraiment bien repérable. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a trouvé un garagiste qui est un peu militant et puis qui nous a fait le dépannage gratuitement et le montage aussi des pneus. Mais il y aurait environ une bonne centaine d'euros pour les pneus. Et on s'est dit que dans ce genre de truc, alors que ce soit des gens de l'association ou des gens hors association qui se mobilisent, on essaiera d'être solidaires, quoi qu'il se passe, que ce soit en justice, que ce soit au-delà, c'est un petit truc. Mais et du coup, on va essayer de... Bah, si vous voulez bien, si chacun peut mettre 1 euro par exemple pour rembourser ses pneus. Et puis dans l'avenir, s'il se passe quelque chose, bon moi j'ai eu une menace aussi, je suis allé déposer des plaintes hier. La coprésidente va déposer une plainte aujourd'hui. Donc voilà, mais dans cette solidarité, peut-être mettre un petit gobelet là sur la table. Et puis éventuellement, si on gère comme ça, et puis que de ne pas hésiter si quelqu'un a un souci, encore une fois, même si c'est pas adhérent de l'association, c'est pas le problème. Et ben il en parle, et puis on essaye toujours d'être solidaires les uns avec les autres. Les 15 000 euros vont servir à payer ce qu'on appelle une consignation. Cette consignation sera rendue, elle n'est pas rendue que s'il y a un abus. Et bon ben là, on n'est pas dans une procédure abusive, hein, parce que c'est la première plainte, voilà. Et ça servira à payer donc cette consignation qui permettra juste au juge d'ouvrir l'enquête, l'instruction, concernant les infractions qu'on dénonce de 2019 et 2020. Et alors quelles sont ces infractions ? Les infractions, c'est... il y en a pléthore. Mais c'est principalement destruction d'habitat d'espèces protégées. C'est celle-là, surtout nous, qu'on dénonce. Et qui est évidente en plus. Enfin, je veux dire, y a pas de... Et qui remonte à 2019-2020. C'est-à-dire que ils savaient, la famille missionnaire et toutes les entreprises savaient pertinemment qu'il y avait des espèces protégées, puisque c'était dans le petit document ISOP où il dit bah, « il y a telle espèce, telle espèce, telle espèce, faites plutôt vos travaux à telle période, eux ils en ont rien à foutre, ils ont fait à la période où il ne fallait pas le faire ». Mais surtout, c'est que ces espèces protégées, tout le monde savait qu'elles étaient là, et pourtant, ils ont détruit les habitats. Et ça c'est interdit, il faut une dérogation pour ça. D'accord.